And that also probably will be the case with the topic of the next speaker on synodality according to the Eastern Code. I think I hardly have to present our speaker. Bishop Dimitrios Zalagas, Bishop Emeritus Apostolic Exarch in Greece, has been teaching for a long time canon law, I should say, everywhere in the world, especially in Rome. And still is caring a lot nowadays to render services with his knowledge, services to the church. And I would to highlight especially the fact that he also is a member of the official dialogue commission, the dialogue between the Catholic and the Orthodox Church. Monsieur Dimitrios, I will leave the floor to you. I speak in French because my English is Greek English. I prefer to speak another language. Je dois tout d'abord remercier le président de la société, Monseigneur Kyrillos, de l'invitation qu'il m'a faite. Je dois remercier également le métropolite de cette Sainte Église, Monseigneur Philippos, pour l'accueil et l'hospitalité fraternelle. Je me limiterai seulement sur certaines questions, certaines positions catholiques actuellement, doctrinales, sur la synodalité, la primatialité, et ensuite quelques mots sur l'élection des patriarches. Parce que c'est là qu'on voit comment ça fonctionne. Et je terminerai en disant quel est le moment providentiel actuellement avec le pape François et avec ses relations avec le monde orthodoxe d'aller en avant. Quelle est la doctrine du Concile Vatican II sur la synodalité? Quelles sont les nouveautés de la doctrine catholique actuellement? Comme la célébration eucharistique dans son ensemble représente le mystère trinitaire, de manière analogue, l'Église trouve dans ses institutions son modèle, son origine et son accomplissement dans le ministère, dans le mystère trinitaire. L'Eucharistie, comprise ainsi à la lumière du mystère trinitaire, est le critère du fonctionnement de toute la vie ecclésiale. Les éléments institutionnels doivent uniquement refléter de manière visible la réalité du mystère trinitaire, comme dans la célébration de l'Eucharistie en chaque église particulière. L'Église de Dieu s'édifie et grandit, comme affirme Saint Chrysostome, et si la communion entre les églises particulières se manifeste par la célébration eucharistique et l'action synodale de leurs pasteurs et évêques. Ainsi comprise, la lumière du mystère trinitaire, l'action synodale des évêques des églises locales à différents niveaux rend gloire à Dieu. Au cours de l'histoire, l'Église en Orient et en Occident a connu plusieurs formes d'exercice de la communion entre les évêques, dont les échanges épistolaires, des visites d'une église à l'autre, mais précisément la voie synodale. Ils ont défendu la foi apostolique et ont promulgué des canons, règles des vies chrétiennes, spécialement dans les conciles œcuméniques et dans les synodes provinciaux, réunis dans l'Esprit Saint. La synodalité dans la tradition canonique des Églises catholiques se manifeste dans son unité, dans la varietas ecclesiarum particulare. L'unité de l'Église au niveau universel et la varietas ecclesiarum se manifeste de manière éloquente dans la vie synodale. Le Concile Vatican II, dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium 23, décrit les éléments fondamentaux de l'unité et de la variété des églises d'un point de vue ecclésiologique et synodal. Je cite, la providence divine a voulu que les évêques des différentes églises établies en différents lieux par les apôtres et leurs successeurs
Se rassemble au cours de temps en plusieurs groupes organiquement réunis qui, sans préjudice pour l'unité de la foi et pour l'unique constitution divine de l'Église universelle, jouissent de leur propre discipline, de leur propre usage liturgique, de leur patrimoine théologique et spirituel. Certains parmi elles, notamment les antiques églises patriarcales, jouèrent le rôle de source de foi en engendrant d'autres églises comme leurs filles, avec lesquelles, jusqu'aujourd'hui, un lien plus étroit de charité les relie dans la vie sacramentelle et dans les respects mutuels des droits et des devoirs. Cette variété des églises locales montre avec plus d'éclat, par leur convergence dans l'unité, la catholicité de l'Église indivise. Fin de la citation. Les textes conciliaires mentionnent surtout les églises anciennes églises patriarcales, sans attribuer leur origine à une volonté exprimée par le Christ, mais à une providence, à une disposition de la divine providence, dans la perspective de servir et consolider la communion ecclésiale. En effet, pour maintenir la communion à différents niveaux régionaux, en Orient comme en Occident, on s'appuie sur les sièges épiscopaux, fondés, selon la tradition, par les apôtres ou par leurs collaborateurs immédiats. Ce type de division en régions territoriales, plus ou moins étendues, n'enlève rien à l'unité de la foi, ni à la divine constitution fondamentale de l'Église universelle. Le décret conciliaire orientalum ecclésiale, explicitant des affirmations solennelles subventionnées, les traduit dans un principe strictement juridique synodal. Je cite. Ce saint concile déclare solennellement que les églises d'Orient, tout comme celles d'Occident, ont les droits et les devoirs de se gouverner se regendi selon leur propre discipline particulière. Celle-ci, en effet, se recommande par la vénérable Antiquité, s'accorde mieux avec les habitudes de leurs fidèles et semble plus adaptée pour assurer le bien des âmes. Les droits, qu'est-ce que ça veut dire les droits de se régir selon les propres traditions? C'est un principe établi par les droits canoniques et présuppose le fonctionnement d'une autorité supérieure en termes propres, qui s'exerce dans les diverses formes synodales, en matière législative, administrative et judiciaire, sans faire abstraction évidemment de l'autorité suprême de l'Église, qui selon l'Ecclésiologie catholique réside sur les rôles et la fonction de l'évêque de Rome. Synodalité est primautée à différents niveaux. Inspirée par les sacrés canons de l'Église ancienne, la tradition canonique orientale, confirmée dans le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, orientalum ça veut dire catholique, le Code des Églises orientales n'envisage pas, ne s'adresse pas aux Églises orientales orthodoxes. C'est le Code catholique oriental, pour les Églises catholiques orientales. Il ne faut pas confondre pour ça. Inspiré donc par les sacrés canons de l'Église ancienne, la tradition canonique orientale sanctionne le principe de l'action synodale des évêques conjointement avec le principe de la fonction primatiale de celui qui préside les synodes à différents niveaux. Province métropolitaine, Église patriarcale, composée de différentes provinces métropolitaines, Église universelle, dans le contexte de l'ancienne Pentarchie, ayant pour premier évêque qui préside au premier siège de l'Église de Rome. À propos des différents types de primat, c'est-à-dire des formes de primauté, chaque fonction primatiale est insérée dans le cadre de la conciliarité. En vertu de la succession apostolique, les liens de communion relient l'ensemble des évêques qui assure l'épiscopé des églises locales au collège des apôtres. Le status d'Ecclesia sui juris attribué aux églises catholiques orientales, spécialement aux églises patriarcales,
implique le caractère de synodalité et d'autonomie dont elle bénéficie dans l'Église catholique. À noter par conséquent que l'autonomie des Églises catholiques orientales et de leur synode n'est pas absolue, assimilée à celle des Églises orthodoxes autocéphales, mais relative, puisqu'elle est exercée dans la mesure où elle est compatible doctrinalement avec l'ecclésiologie catholique, selon laquelle, comme nous savons, l'Église du Christ, in hoc mundo ut societas constituita et ordinata, subsistit in Ecclesia Catholica, assessore Petri et Episcopis in eius communione governata. Cette doctrine est formulée dans le décor de droit canonique, soit pour les églises orientales catholiques, soit pour l'Église latine. Le Code oriental reconnaît l'autorité supérieure des patriarches avec leur synode dans leurs églises propres, toujours en reconnaissant l'autorité suprême de l'Église au niveau universel. Une importance ecclésiologique particulière concernant l'action synodale des évêques dans l'Église catholique s'est fait sentir sans doute dans la signature des documents du Concile Vatican II, constitution, décret, déclaration. Ceux-ci sont signés. C'est important de voir comment les décrets, constitution, décret, déclaration sont signés par le pape et les évêques. Je cite tout l'ensemble de chacun des points qui sont édictés dans cette constitution dogmatique, décret, déclaration, au plus au père du Saint-Concile. Et nous, les pape, et nous, en vertu du pouvoir apostolique que le Christ nous a confié, avec le vénérable Père, nous les approuvons, nous les décrétons et nous en répondons dans l'Esprit Saint. Et nous ordonnons que pour la gloire de Dieu, ce qui a été synodalement établi à ce concile soit promulgué. Cette manière de synodale, de signer les décrets conciliaires, ça serait de tous les contenus, ça serait heureux, ça serait souhaitable qu'elle soit aussi appliquée même dans l'exécution du synode qui existe en fonction actuellement, dont je parlerai très peu. Cette formule synodale d'approbation des actes conciliaires rappelle l'expérience apostolique dans les synodes de Jérusalem. L'Esprit Saint, je cite, l'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons décidé. Formule utilisée également par le premier concile œcuménique de l'Église d'Église. Nous-mêmes et l'Esprit Saint. Après le Vatican II, apparut progressivement l'idée de formuler les canons sur la primauté de manière plus synodale, concentrée sur le ministère d'unité de l'évêque de Rome dans la communion universelle de l'Église. En effet, quelques années après la promulgation de Décode, le pape Jean-Paul II, dans le décret, dans la lettre encyclique Utorum Sint sur l'engagement œcuménique, après avoir illustré les fondements bibliques de la primauté, selon l'Ecclésiologie catholique, évidemment, à la suite de la Lumen Gentium, précisa, je cite, « Lorsque l'Église catholique affirme que la fonction de l'évêque de Rome répond à la volonté du Christ, elle ne sépare pas cette fonction de la mission confiée à l'ensemble des évêques. Elle aussi, vicaire et le gars de Christ. Nous étions habitués de dire que le gars de Christ, le vicaire de Christ, est seulement le pape. Saint évêque et vicaire de Christ. L'évêque de Rome continue le texte, appartient à leur collège et ils sont ses frères dans le ministère. De plus, le pape demanda aux pasteurs et théologiens des églises de chercher ensemble
les formes dans lesquelles ce ministère pourra réaliser un service d'amour reconnu par les uns et les autres. Le pape Benoît XVI et François ont exprimé et continuent à exprimer ce même désir. La promulgation récente de deux motu proprio, Mitis Iudex Dominus et Mitis et Misericors Jesus, relatif à la réforme des règles processuelles des causes de nullité matrimoniale, concentrée sur la centralité de l'évêque, en vertu de sa consacration épiscopale dans l'Église particulière, comme juge et médecin, comme également sur le droit d'appel au siège du métropolite, chef de la province ecclésiastique, était pas important dans ce sens, signe d'une volonté d'actualiser précisément les potentialités synodales dans l'Église catholique. Il va de même également pour la grande place donnée au synode des Églises orientales et aux conférences épiscopales de l'Église latine, pour la promulgation des droits particuliers propres, promulgués par les organes législatifs. Le pape François, dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 2013, se réfère également aux églises orthodoxes, davantage synodales, et n'hésite pas à affirmer, je cite, dans le dialogue avec les frères orthodoxes, nous, catholiques, nous avons la possibilité d'apprendre quelque chose de plus sur l'essence de la collégialité épiscopale et sur l'expérience de la synodalité. En effet, du dialogue théologique jusqu'à présent établi entre l'Église catholique romaine et les Églises orthodoxes de tradition byzantine, il ressort que l'Église catholique pourrait développer, sans trahir son ecclésiologie, dans la vie et dans ses structures ecclésiales, le niveau de synodalité qui serait possible et nécessaire des points de vue historiques, théologique et pastoral, demandé par les signes des temps. Alors que les églises orthodoxes pourraient développer le rôle et la fonction du protos, patriarche, archevêque métropolite, à l'intérieur du synode respectif, d'un patriarcat ou d'une autocéphalie. L'Église catholique a besoin de réformer l'exercice de la papauté, de la primacité. L'Église orthodoxe a besoin de trouver une fonction décisive, sans trahir son ecclésiologie synodale, du rôle du protos à différents niveaux. Quant à l'élection des patriarches, c'est là qu'on voit un peu quel est le rôle entre l'actuelle législation du patriarche dans les églises catholiques vis-à-vis aussi de l'Église de Rome. Selon le canon 63, le patriarche est élu canoniquement dans le synode des évêques de l'Église patriarcale. Donc, le patriarche n'est pas nommé par le pontife romain, mais il est élu selon la procédure canonique établie par les droits. Pour la validité de l'élection canonique, on ne requiert pas un acte de confirmation ou d'approbation de la part du pontife romain, mais plutôt la communion ecclésiale avec les pontifes romains, communion demandée par les nouvelles élus et accordée par les papes. Dans l'élection du patriarche, tous les membres du synode des évêques de l'Église patriarcale et eux seuls jouissent de la voix délibérative. Le canon 66. Dans l'élection du patriarche, tous les membres du synode des évêques de l'Église patriarcale et seuls jouissent de la voix active. Notez, il est interdit, continue le code, à quiconque, outre que les membres du synode, les évêques de l'Église patriarcale, d'assister dans la salle à l'élection du patriarche. Et encore, il n'est pas permis à personne
de s'initier dans l'élection du patriarche, de quelque manière que ce soit, ni avant, ni pendant le synode des évêques de l'Église patriarcale. Puisque le patriarche est considéré comme pâte de Frankfurt et son Église patriarcale propre, ces normes excluent les gérances même du siège apostolique dans le synode d'élection du patriarche, justement pour garantir le principe du droit des Églises patriarcales d'élire leur pâtre et caput, qui fait partie de l'autonomie d'une Église patriarcale sui iuris, c'est-à-dire son droit et son devoir de se gouverner selon ses propres traditions. Toutefois, il faut être aussi réaliste, la vie synodale est idéale en théorie, mais en pratique souvent il y a pas mal de gros problèmes qui se présentent dans l'application de l'élection du patriarche. Toutefois, si l'élection n'est pas achevée dans les 15 jours à compter du commencement du synode des évêques de l'Église patriarcale, l'affaire est dévolue au pontife romain. La res ad Romanum pontificem devolvitur. Voilà donc une intervention concrète, précise de l'Église de Rome à l'élection des patriarches. Cette norme ne spécifie pas l'objet précis de l'intervention du pontife romain, à savoir s'il s'agit d'une intervention directe pour la désignation du patriarche ou d'une intervention indirecte, par exemple par des exhortations aux évêques synodaux ou par un autre type de mesure. L'intervention du pontife romain pourrait plutôt s'attendre dans le sens sede romana moderante en cas de dissension concernant l'élection canonique. En effet, une telle interprétation semblerait davantage indiquée en tenant compte de la nature de l'accord entre les siège apostoliques et les églises orientales. Le pontife romain est le garant du fonctionnement de la vie synodale des églises orientales. Il veille à ce que ce fonctionnement soit conforme au droit pour le bien des fidèles et l'unité de l'Église patriarcale. Après l'élection du patriarche, dans ces conditions, le synode des évêques de l'Église patriarcale informera par l'aide synodique au plus tôt possible les pontifes romains de l'élection et de la intronisation canoniquement accomplie ainsi que la profession de foi du nouveau patriarche. Un dernier exemple de ces procédures, demande de communion et réponse du pape, nous avons vu récemment dans l'élection du patriarche de l'Église Melkite. C'est intéressant de voir les textes. Comment répond le pape à la demande de communion? Il n'emploie pas des formules de confirmation et d'approbation, tout ça. Un exemple récent, c'est donc l'occasion de l'élection du nouveau patriarche d'Antioche de Gréco-Melkite, sa béatitude Youssef Apsi. À la demande du patriarche, le pape François, en date 22 juin 2017, a répondu ainsi. C'est avec une grande joie que j'ai reçu la lettre par laquelle vous m'avez informé de votre élection comme patriarche d'Antioche de Gréco-Melkite par le synode des évêques en me demandant Ecclesiastica Communion. Je tiens à vous féliciter et à vous assurer dès maintenant, merci, je tiens à vous féliciter et vous assurer dès maintenant de ma prière afin que le Christ, mon pasteur, vous soutienne dans l'accomplissement de la mission que vous a confiée par les synodes et pour le service de votre Église. Je suis certain
que votre béatitude, dans une fraternelle harmonie avec tous les pères du synode, sera en toute sagesse évangélique être non seulement padre et caput au service des fidèles de l'Église grecque convertie, mais aussi un témoin fidèle et authentique du ressuscité. C'est pourquoi béatitude, en tant que successeur de Pierre, appelé par Jésus à conserver dans l'unité son unique Église, je vous accorde avec toute ma joie la communion, la communion ecclésiastique. Donc vous voyez que c'est un peu, ça restaure un peu la tradition ancienne de l'échange de lettres de communion. Pour ce qui regarde les aspects liturgiques, comment le patriarche témoigne sa, disons, son rapport, son lien avec le pape? Le nom du pape est commémoré dans la liturgie, dans les offices, etc. Donc, la nouveauté, la grande nouveauté vis-à-vis du droit précédent est que on ne parle plus de la confirmation et du pallium. Pallium, c'était signe d'autorité, c'est-à-dire, dans la mentalité précédente, avant le concile, l'autorité du patriarche c'est une délégation. Ce n'est pas qui confère ce pouvoir, cette autorité. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas la tradition antique. Ce qui est important, c'est la communion, le pape, les évêques, les patriarches, élus canoniquement par les propres églises, sans les communion. Est-ce possible? Qu'est-ce qui serait si le pape? Le pape peut refuser la communion. Le pape peut ne pas accorder la communion ecclésiastique. Répondons à l'ancienne église, oui. Si le pape est un hérétique, si le patriarche élu est un hérétique, si par exemple, si le nouveau patriarche a été élu d'une manière non légitime, non canonique, donc dans ce cas-là, vis-à-vis des églises orientales, le pape est le gardien de la canonicité. Comme les anciens canons parlaient du métropolite pour l'élection des évêques, Tokiros. C'est-à-dire la légitimité, la canonicité de l'élection dépend du métropolite, ou bien du patriarche pour les églises patriarcales, ou bien pour les papes, pour l'église universelle. Donc le pape, l'autorité du pape est d'être les gardiens de la canonicité. Voilà son rôle. C'est comme ça que les orientaux ont toujours compris pendant le premier millénaire, le rôle du pape, de l'évêque de Rome, dans les affaires des églises orientales. Je résume aussi, concernant un peu ce qu'on a dit sur les synodes des évêques, mais avant tout, un petit mot, bref, l'élection des évêques. L'élection des évêques dans les églises orientales sont canoniques, ce sont les synodes qui élisent, les synodes qui présentent les candidats, les synodes qui accueillent, n'est-ce pas, toutes les informations, etc. Quel est le rôle du pape? Ce n'est pas le mien. C'est le mien. Quel est le rôle du pape dans cette est-ce qu'on peut exclure le chef du collège de l'élection d'un évêque catholique? Évidemment, dans les églises patriarcales, c'est le patriarche qui préside les synodes, etc., assure la canonicité. Est-ce qu'on peut exclure le pape tête du collège épiscopal de l'élection des évêques après une procédure canonique, n'est-ce pas, qui a précédé? Comment se fait cette manière d'inclure le pape, d'insérer le pape? Par ses collaborateurs.
Qu'est-ce qui fait la complication pour les églises orientales, n'est-ce pas? Intervient, oui, c'est un organe au service du pain. Aussi, les représentants du pontife romain dans les différentes églises, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours l'idéal. Soit la nomination d'un évêque, soit l'élection d'un évêque, c'est toujours un risque. On ne doit pas croire que tout est parfait dans cette terre. Donc, autant que possible, la congrégation pour les intérêts orientales recueille, n'est-ce pas, la manière dont sont consultés dans les intérêts orientales, c'est plus synodal. Ce n'est pas seulement que le pape vient à nommer un évêque. Il y a une longue, souvent très longue procédure pour arriver à un nom. Après avoir préparé, choisi, déterminé la terre, comme on dit, n'est-ce pas? Je vois que c'est un. Qu'est-ce qu'on pourrait ici corriger, disons? Qu'est-ce qu'on pourrait quand même améliorer dans ce cas? C'est une concertation préalable, éventuellement, entre la congrégation orientale et les patriarches. S'il y a souvent même la désignation des évêques de la part des synodes, ce n'est pas toujours l'idéal pour les personnes. Il s'agit toujours des hommes, n'est-ce pas? Donc, s'il y a des doutes, il ne faut pas arriver à envoyer à Rome une liste de personnes douteuses. Donc, on pourrait quand même susciter des problèmes. Donc, ce qui est important à mon avis, c'est la concertation préalable du patriarche avant, quand on présente une liste de candidats. Alors, c'est bien de traiter ça. Évidemment, la congrégation, c'est quand même de trouver aussi ces informations. Mais il faut avoir confiance au patriarche et aux synodes. Je termine un mot sur. Je termine, madame, ne vous prenez pas. Concernant les synodes, monseigneur Gallard a parlé. Qu'est-ce qu'il y a à corriger, disons, à améliorer dans ces synodes des évêques qui se réunissent de temps en temps autour du pape? Quelle est l'erreur de ces synodes? Consultatif. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller vers le libératif? On pourrait, bon, le canonisme, même la curie à Rome, on vous dit, si le pape le veut, alors ça veut dire que ne serait pas contraire à la doctrine catholique si le pape le veut. Le pape ne peut pas vouloir quelque chose contre la doctrine. Donc, ça serait bien, comme nous avons vu, comme la signature des documents du Concile. Un à un, après un synode, qui a réuni l'ensemble, les représentants de tout l'épiscopat catholique, latin en latin, et notez bien qu'au pape, on présente les propositions votées par le synode. Donc il y a une voix. Clair, sinon. Le pape devant la volonté des évêques, voté donc délibérément, existe une volonté de l'épiscopat et on présente au pape les résultats. Je proposerai de Jules Bourdain, disons, de suivre la manière dont le concile a été, les documents du concile ont été. Un acum, peut-être pas tout de suite après le synode, mais avant de publier l'exhortation post-synodale, on pourrait dire, ayant tenu compte des propositions votées par les membres du synode, nous décrétons, nous affirmons, etc. Je termine en soulignant un peu la volonté du pape. Le pape nous demande à nous catholiques, regardez comment ça fonctionne dans les églises orthodoxes de synodalité. Mais nous catholiques, nous voyons aussi dans les dialogues, nous demandons quels sont les modèles dans l'orthodoxie actuellement
de la synodalité. Je ne sais pas si je me trompe, c'est le président de la commission théologie catholique orthodoxe. Je ne sais pas s'il y a un modèle dans l'orthodoxie. Le pape nous demande, voyez comment les orthodoxes appliquent, fonctionnent la synodalité dans les églises. Et nous cherchons un peu quelques modalités. Moi, je ne suis pas désespéré si je ne trouve pas de modalités. Les modalités, les formes de l'exercice ont toujours été dans l'histoire différentes. Et même actuellement, ce n'est pas dit qu'il y a une uniformité des formes d'exercice de la synodalité, directe ou indirecte. Donc, je termine en disant, c'est un moment providentiel pour nous catholiques, la présence et les formes du pape François dans l'Église catholique, qui nous aide, nous encourage de procéder avec courage à des réformes dans l'Église catholique. Merci. Monsieur Dimitrios, thank you very much for your presentation that gave us the occasion to see a little bit how synodality functions in a concrete way in the Eastern Catholic Patriarchal Churches. I think that we also have occasion to go further in this sense.